Alors, Dynamics 365 for Sales, c'est une solution de CRM, donc de gestion de la relation client, qui est donc intégrée à la suite Office 365. Donc, c'est une solution qui va nous permettre de suivre les forces de vente, de pouvoir en fait à tout moment connaître quelles sont les actions qui ont été menées au travers des prospects, des clients, et également de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui sont effectuées par les commerciaux, qu'ils se focalisent vraiment sur les opportunités qu'ils ont à traiter au quotidien en fait. On a bien entendu toute la partie d'automatisation en fait, des processus de vente. Donc l'idée c'est de proposer aux commerciaux un certain nombre d'automatismes et toute une série d'actions qu'ils vont avoir effectuées au quotidien. On va disposer également de tableaux de bord qui vont nous permettre eh bien, de pouvoir faire ressortir donc, des indicateurs via des tableaux de bord, des reports, de manière dynamique et totalement en fait, intégrée au produit. L'avantage des équipes Proxy Team, c'est qu'on va avoir une complémentarité en fait au niveau technique et au niveau métier. Nous avons donc les équipes qui maîtrisent en fait hein, sur le bout des doigts la partie Office 365 et également une partie métier, donc là liée au métier du CRM en fait, hein, de la gestion de la relation client. Et la complémentarité de ces deux équipes eh bien, va permettre de mener à bien un projet et que ce soit une réelle réussite en fait pour les clients qui s'équipent d'un logiciel de ce type. Beaucoup de clients en fait, ou de prospects sont quelquefois un petit peu effrayés par cette notion de CRM. Un peu moins maintenant parce que ça rentre un peu dans les mœurs, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques temps, beaucoup de gens se disaient « mais non, je vais pas mettre en place une solution de CRM, j'en ai pas besoin, etc. » Alors que beaucoup en font déjà en fait du CRM tout simplement à l'aide bah, de fichiers Excel, de leur messagerie, vont en fait générer des campagnes ou autres. Et donc voilà, et quand on leur explique que bah, le CRM n'est pas une fin en soi, mais simplement des outils qui leur permettent d'aller plus loin et de manière un peu plus efficace, eh bien ça rentre en fait beaucoup plus facilement et ça les aide justement à intégrer cette notion.